ça fait tellement partie de ma vie depuis longtemps qu'en fait, ça a fait qu'évoluer. Elle représente de plus en plus de choses parce que je découvre énormément de personnes et j'échange beaucoup. Je suis de plus en plus dans le partage et l'échange grâce à la musique. En fait, la musique, c'est une évolution, c'est une progression. Pour moi, c'est ce qui me permet d'avancer sur le chemin de la vie. C'est aussi un partage, la musique. Ça va au-delà des barrières culturelles ou de langue. C'est une communication extraordinaire, artistique, expressive, qui peut rassembler des personnes très différentes les unes des autres. L'école, elle existe depuis 1997. On a dû commencer peut-être en 2003-2004 à faire chaque année un concert des profs. C'est aussi un souhait de la mairie qui veut que l'école rayonne. Des gens de l'extérieur entendent parler de l'école de musique du Broc. Certains élèves sont rentrés au conservatoire de Nice, donc il y a un rayonnement quand même de la commune du Broc vers des pôles supérieurs professionnels. Notre envie sur le concert, déjà, c'était liberté à chacun de faire ce qu'il veut, de choisir ce qu'il veut et les musiques qu'il aime. Donc chaque fois, ça se fait au fil des mois. Tiens, si on jouait ça, si on jouait ça. Le thème général, évidemment, c'était le thème du voyage. Tout ce qui est musique du monde et musique traditionnelle me touche beaucoup. On a fait exprès de choisir des musiques un peu de différents pays, de différents styles, de différentes esthétiques. Il y en a qui se sont imposés très vite, le Brésil, on est parti en Russie. L'Irlande, parce qu'on adore jouer les gigues. Et puis grâce à Yuko, parce qu'on a la chance d'avoir un professeur qui vient du Japon, un professeur de piano, on a eu envie de jouer Totoro. Chaque fois qu'on a un projet, les profs sont partants et il y a une grande complicité entre nous, alors que nous sommes très différents les uns des autres. Le fait de jouer ensemble, ça aplanit les différences et donc c'est une équipe exceptionnelle, ce qui explique aussi pourquoi cette école dans le département est une des écoles de musique où il y a le plus de projets. Ça montre qu'en fait, si on veut apporter de la culture, on peut l'apporter partout, la culture. Ici, elle a permis que chaque enfant, et chaque adulte d'ailleurs, hein, puisque l'école est ouverte aux adultes, puisse avoir l'opportunité d'essayer la musique.